Je vais me lever parce que c'est pour la bonne cause. Je vais aller réveiller ma soeur parce que c'est surtout elle qui voulait qu'on aille voir le concert. Attendez. Wake up! C'est le jour du concert! Wake up! Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Salut tout le monde! Comme t'as pu le comprendre avec l'intro, à part si t'as un QI négatif ou un QI de poisson rouge, aujourd'hui, je vais voir ce motherfucking weekend. Gal Switch Agent Chick. Je vais vous expliquer en vif le programme de la journée. Je vais voir à Bordeaux parce que du coup, dans sa tournée, il faisait deux dates à Paris et une date à Bordeaux. Il est genre 9h30, un truc comme ça. Je vais prendre ma douche. Ensuite, on part de la maison à 13h parce qu'il faut qu'on aille déposer mon petit frère chez son daron. Et après, on décale à Bordeaux. Donc certes, le concert, il commence à 19h, mais ils nous ont dit d'être là à 17h pour faire rentrer, etc. Là, je vais aller prendre ma douche, prendre mon petit déjeuner, maquiller, m'habiller. Et après... Ah, je suis excitée. The Weeknd, c'est pas mon chanteur préféré. Par contre, c'est un artiste que genre ma mère et ma soeur, elles écoutent énormément. C'est pour ça qu'on est ensemble. Le dernier concert que j'ai fait, c'était le Music Bank. C'était avec ma petite soeur, mais ma mère, elle était pas là. Je suis contente. Ça va être lourd. Je voulais prendre ma douche en premier, mais ma mère est en train de littéralement monopoliser la salle de bain. Donc on va manger d'abord. Chez les pas, c'est mon petit déjeuner préféré. C'est simple à faire. Pas besoin de beaucoup de trucs, hein. Genre du yaourt, du muesli, c'est carré. C'est healthy. Je vais me maquiller, après je vais m'habiller. Bon, du coup, il est midi, un truc comme ça. J'ai une heure pour me make-up et m'habiller, mais franchement, ça va aller. Du coup, cette fois-ci, je vais vraiment, mais genre pour de vrai, genre je vais pour de vrai, vrai, faire un make-up léger. Parce que là, je serai en concert. Je vais chanter, je vais danser, je vais crier, je vais, bref, inspirer et tout. Vraiment la flemme d'avoir trop de production au visage et tout. Du coup, je vais vraiment mettre les basiques, genre anti-cerne, peut-être un petit peu de blush et encore faire mes lèvres et mes yeux en vif. Mais genre vraiment en vif. Regardez ce que ma mère m'a donné. Elle a commandé ça là, genre pour mon aménagement, pour que je mette toutes mes affaires à l'intérieur. Il y a bien un truc que je ferais jamais, je pense, en concert, c'est aller en fosse. Vraiment la fosse, ma phobie. Je trouve ça horrible. Le seul truc qui est bien, genre, c'est l'ambiance à la limite. Genre le fait d'être collé, serré aux gens, de pas pouvoir sortir sereinement si jamais t'as envie de faire pipi parce que tu vas te faire chipper ta place. Entre les gens qui poussent, qui te marchent dessus. Non, franchement c'est hard. Vous devez penser que j'exagère, mais je vous jure que je préfère ne pas aller voir le concert que d'aller en fosse. Waiting for you even more. Du coup voilà. Je me trouve vraiment belle. Merci. Madame Otile, s'il vous plaît. Bref, on part dans 40 minutes, faut que je m'habille. Le concert. Montre ma vie. J'ai déjà montré mon avis. Quoi? Hein? J'ai déjà montré mon avis. Comment ça, mon ref? Retourne dans les trucs. C'est moi. Minda est dans le salon. Ok. Voilà.
Et je montre mon outfit. Donc moi je suis vraiment un jean noir comme ça de chez Pimki je crois. Un top que j'ai volé à ma mère. Voilà. Donc make-up, j'ai mis juste du mascara, un petit peu de crayon et tout, truc pour mon sourcil, de l'anti-cerne et voilà. On y va, on sort. Enfin. J'ai retiré le manche long, j'ai mis un t-shirt parce que sinon j'allais avoir trop chaud. Why the hell are you guys wearing leather? Have you seen the weather? C'est bon, on est parti. D'abord on va manger au McDo, après on va déposer mon frère chez son papa. Et... bon, are you ready for tonight? Yes or no? I'm hungry. She's hungry. Refais ça, je te le mets dans les fesses tout à l'heure. The woman was too stunned to speak. Yes, to the child. On est arrivé. Là, ils ont dit qu'il fallait qu'on se dirige à la porte A et qu'à la porte A, ils allaient nous mettre dans nos places. Mais là, il est 15h55, donc on a encore le temps. On est en avance. Oula. Et on doit rentrer à 17h. Ça va. Il y a vraiment des gens beaux ici. Que ce soit des filles ou des gars et tout. Les gens qui écoutent The Weeknd, de toute façon, ils sont tous beaux. Aïla, t'es malade. Là, il y a un peu l'eau. Et nous, du coup, on doit se diriger là-bas. Il est actuellement 17h20 et normalement, ça s'est rentré à 17h. Donc, je sais pas tout ce qu'ils font, mais c'est lent. On est rentré, ils ont fait rentrer quand même avec 30 minutes de retard, c'est pas grave, au moins on y est. Et on a eu droit à bracelet lumineux. Je vais vous montrer un peu comment il est le stade parce que franchement. C'est bon, on a récupéré nos trucs, donc on a eu un badge, un t-shirt je crois, un poster, des trucs en limité, donc c'est grave. C'est bon, on est assise. Est-ce que t'es prête? Ouais. Est-ce que t'es prête? Et attendez, je vais vous montrer un peu la vue qu'on a, parce que franchement, on est super bien passé. Franchement, on est bien. Vas-y, ouvre ton poster un peu. J'ai trop peur de déchirer ça là. Moi, je dis, je garde chaque truc qu'on m'a donné. Ah, là, vas-y. Ouh. Oh my god. Bon, vu qu'on a un peu la dalle, on est sorti pour aller prendre un truc à manger. T'es là, la chill. Waouh. Seigneur.
on doit attendre jusqu'à 55, il me semble, genre que ce week-end passe à 55. En attendant, on a eu deux artistes. Là, on doit attendre genre 40-50 minutes, un truc comme ça, avant qu'il passe. On va passer à 55, si je me trompe. Vu que j'ai un peu mal aux jambes et que j'ai envie de me dégourdir, on va aux toilettes. Je vais mettre le t-shirt du coup qu'on a eu. Enfin, je sais pas, y a quoi hyper en fait là. Ça y est, j'ai mis le t-shirt. Il est trop beau, vraiment, il est trop trop beau. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Thank you.
Alors concert fini, mais je vais faire un débrief demain parce que il me reste 1% et vas-y, mais on se capte.